Eh bien, salut Lucie! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous le voyez ici, on va parler de Ligue 1 et plus particulièrement du FC Girondins de Bordeaux où il se passe beaucoup de choses en ce moment. Ça va pas trop, mais on espère que ça va mieux aller. Pourquoi? Parce que ça y est, Willy Sagnol s'est fait virer, ça y est, à la porte, ça y est, dehors. Voilà, c'est l'entraîneur. Bah, du club, du groupe, quoi, de l'équipe, c'est l'entraîneur. Bah, de Bordeaux. Voilà, il s'est fait virer. Bah, ça va dépendre de si le nouvel entraîneur est meilleur ou pas. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est... Moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ça, c'est que Ulrich Ramé, qui va donc remplacer Willy Sagnol, enfin, je sais pas, il a pas non plus une grande carrière d'entraîneur, puisqu'il était encore joueur en 2009 lorsqu'on a été champion de France. Donc on verra. Après, on sait jamais, hein, peut-être que voilà. On verra. Il sera avec Mathieu Chalmé qui était aussi champion de France en 2009. Voilà, team champion 2009 Bordeaux. C'est un petit environ qui a l'attention de vélo. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Tu te décales et tu te colles. Tiens, en mode, je vais te foutre un coup de sac dans la gueule. Mec, j'ai pas vu. Passez-moi le vélo. Ouais, eh ben oui. Aujourd'hui, Martin. Donc voilà, donc il est viré, donc on espère que ça va mieux se passer avec Ramé. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, de toute façon, il fallait bien le virer un jour, hein, l'entraîneur de Bordeaux. Et puis voilà. Et c'est sûr qu'après après cette prise 4-0 par une équipe qui était 18e, bon, il fallait faire quelque chose, et voilà. Courage à Ramé et Chalmé, voilà, pour reprendre l'équipe qui est très mal en ce moment, évidemment. Bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi nul depuis 91, je crois. Donc voilà. Il a frotté sur une barre hier. Ah, c'est con ça. Et je tenais à préciser, il manque quelqu'un quand même. Et oui, Florent Grand Star. Qui est malade, donc voilà. Donc, la première fois. Je sais toujours pas ce qu'il a d'ailleurs. Moi non plus, c'est un peu un mystère, mais il est malade. Il est peut-être mort. Et Vous voyez, c'est la joie de vivre ici. C'est, toujours les mots fond, positifs. Hein. Alexandre, il est à fond dans les ballons. Quoi. Voilà. Donc voilà. J'ai entendu parler de. Il a trouvé combien? Hein? T'as trouvé combien? Oh attention, il va être riche, il va être riche. Moi je vous le dis, il va être riche. Il faut applaudir, hein. Ah ouais. Ça va, il y a une fois j'ai trouvé 50 euros par semaine. Donc pour venir aux Girondins, on n'a pas un planning facile ce mois-ci, enfin au mois d'avril, enfin prochainement quoi. Parce que là on va affronter, bon bah alors Bastia, c'est ils sont pas très bons en ce moment, mais donc, voilà. Donc on va affronter Bastia pour le premier match de Ramé. Ensuite, on va accueillir deux fois d'affilée. On va se déplacer deux fois d'affilée et on va accueillir après deux fois d'affilée. Donc on va se déplacer à Bastia, après on va se déplacer à Marseille. Voilà, rival historique. Mais Marseille, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome, on y croit. Il faut gagner à Marseille, c'est important. Ensuite, on va recevoir deux fois. Donc on va recevoir le Paris Saint-Germain, juste après le match de Marseille, voilà, le week-end après. Et donc après, bon bah c'est 3, donc c'est l'opposé. On va accueillir le premier et juste après on va accueillir le dernier. Voilà. Donc on espère que Ramé va faire quelque chose, va ajouter quelque chose. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de joueurs de qualité. Hein, je pense que si on jouerait avec les joueurs qui seraient blessés, bon, on serait mieux. Parce qu'on a beaucoup de joueurs blessés, on pense notamment à Carasso, hein, qui voilà, c'est le gardien, mais voilà. Je pense que c'est un gardien historique. Hein, c'est le vrai bon jeu. Je pense qu'il a sa place en équipe de France. Voilà. Moi pour dire, voilà. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas grand chose de meilleur sur le terrain. Il y a Ounas, mais même Ounas sur le match de Toulouse, il a rien fait de spécial. Voilà. D'ailleurs, il avait dit un peu, je sais plus trop quoi, sur Periscope aussi, il avait dit un truc. Je sais plus trop quoi par rapport à Youssam Ben Yedder. Voilà, comme quoi il faisait
Ils ont son Lionel Messi, mais vraiment le malin quand il sera en Ligue 2. Bon, ils s'est excusé, donc bon, ça va. Je pense pas que c'est pas le joueur du PSG, donc forcément, quand c'est le PSG, on en parle. Nous, on n'est pas le PSG, du coup, ça parle beaucoup moins. Quand il y a quelqu'un qui fait le con, c'est aussi l'avantage. Voilà. Bon, donc, on va se quitter là-dessus. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Lucie, et puis salut Ulrich et Mathieu. Voilà, c'est important. Allez, salut.